Tout le monde voit mon écran bien? Bonjour. Pas encore. Bonjour. Pas encore, Marie. Marie. On voit pas ton écran là tout de suite. Là, vous ne le voyez pas? Non. Non. Ah, alors attends, oui. Voilà, ça Parfait. démarre. Super. Bah, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce sixième webinaire sur le thème Se développer et recruter, aspects financiers et managériels. Alors, ça y est, vous embauchez et vous complétez votre équipe. Pour vous aider à budgéter ce coût, on analysera les différences de taux de charge en fonction des profils. Assistant ou directeur, vous verrez la différence de taux de charge est énorme. On intégrera ce coût dans un prévisionnel en mettant en évidence les coûts cachés de cette embauche. Et en s'assurant de la viabilité. Ai-je assez de trésorerie et est-ce que je serai rentable? On évoquera 3-4 trucs et astuces, une intégration réussie d'un nouveau salarié. On fera un petit focus sur les aides à l'embauche et les dispositifs de l'État pour réduire les coûts d'un salarié, emploi franc, CUI, AFPR, Ardent. Et pour les entreprises qui se développent, l'embauche peut être synonyme de passage de seuil et de mise en place de CSE. Nouvelle question arrive. Comment on calcule ces seuils? Qu'est-ce qui se passe financièrement? Et quels impacts au niveau de l'organisation de l'entreprise? Alors, pour ce faire, je suis accompagnée de 4 super experts que j'adore. Dominique Launay d'Ancerville, conseiller en RH, 30 ans d'expérience et 7 ans juge au prud'homme, société RH en or. Nathalie, formation, facilitation et changement, société Emovea. Julie Delannoy, experte du développement d'entreprise, société Améliore ta gestion. Et Johanna Suska, experte sociale, Optima Pay. Alors Johanna, on va démarrer par toi. Combien ça coûte? Alors oui, en effet, bonjour à tous. Donc, un recrutement, combien ça coûte? C'est la question qu'on a très souvent, encore plus Marie et Julie, je pense. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet parce qu'on sait déjà que la lecture d'une fiche de paye n'est pas toujours évidente. Donc, vous avez sur cette slide une simulation de fiche de paye pour une assistante administrative. C'est pas vraiment le poste qui compte, mais c'est surtout le salaire dans ce cas-là. Donc, on a un salaire brut, on peut le voir, on a un salaire brut de 1539 euros. Des charges patronales 53,08, des charges salariales 352,85 et puis un coût global de 1592,53. On voit aussi le net à payer 1186,60. Et donc le but, c'est de comprendre ce coût global du salarié, puisque par la suite, Julie va nous expliquer un petit peu comment budgéter tout ça. Donc, il y a deux méthodes pour calculer le coût global d'un salarié. Donc, soit on additionne le salaire brut avec les charges patronales, donc on obtient le 1592,53, soit on part du salaire net et on additionne le net avec les charges totales, les charges patronales et salariales. Forcément, on arrive au même résultat. Alors, nous avons fait le choix d'une deuxième simulation de paye, c'est celle d'un directeur commercial. On est déjà sur un plus gros profil avec un salaire brut de 4 000 euros. Donc, pareil que tout à l'heure, on voit déjà les charges patronales, 1642,98. La charge salariale, 838,35. Et puis, un salaire net, on va parler ici du net avant impôt, 3161, avec un coût global de la fiche de paye de 5642 euros. Donc, on voit déjà ce qui saute à l'œil, ce sont les charges patronales. Je pense que pour tout le monde, ça saute à l'œil. La différence, elle est énorme. Plus rien à voir avec les 53 euros de tout à l'heure. Donc, comment on calcule le taux de charge salariale? Donc, pour la première simulation de l'assistante administrative, il y a la première méthode. On divise le montant des charges patronales par le salaire brut. Donc, 53 divisé par les 1539. On a donc un taux de charge patronale de cotisation de 3,45%. Et puis, on peut aussi calculer le taux de charge totale. Donc, pour ce faire, on calcule d'abord les charges totales, donc les patronales plus les salariales. On obtient les 405 euros qu'on va diviser par le salaire net et on obtient 0,34. Donc, nous pouvons maintenant faire le calcul à l'envers. Ça veut dire qu'on part du salaire net pour obtenir le coût global de la fiche de paye. Donc, on va faire 1186, le salaire net de l'assistante administrative, fois 1,34 et on arrive
à ces 1590 euros de charges patronales. Mais ça reste quand même un coût très très faible, hein. 3,45%, c'est vraiment très très faible pour une assistance administrative. C'est pourquoi? Parce que généralement on a en tête plutôt le taux qu'on voit en dessous du directeur commercial. Exactement, le taux du directeur commercial, on est à 41% de taux de charge patronale. Donc, si on suit le même principe, les mêmes calculs, on voit déjà le taux de charge patronale 41%, et puis le taux du coût global appliqué sur la net, le salaire net, le pourcentage, il est de 78% sur le salaire net. Donc la différence, elle est énorme et elle s'explique surtout parce que les pourcentages ne sont pas directement proportionnels. Ça, on le voit. Donc ça s'explique surtout via la réduction générale des cotisations patronales. C'est l'ex-réduction Fillon. Elle concerne les rémunérations inférieures ou égales à 1,6 fois le SMIC. Donc il faut savoir que bon, le calcul de la réduction Fillon, il est assez complexe et on ne va pas vous le détailler ici, mais il faut savoir que sur la fiche de paye de l'assistante administrative, on était à 490 euros de réduction de charges patronales. Donc on est à presque 500 euros pour un salarié au SMIC. Et puis cette réduction, elle est dégressive jusqu'à 1,6 fois le SMIC. 1,6 fois le SMIC. Pour rappel, on est environ à 2460 euros de salaire brut mensuel, d'accord? Et à partir de cette rémunération, il n'y a plus aucune réduction de charges. Oui. D'où ce petit bonhomme, parce que j'ai mis un petit bonhomme un petit peu étonné, pour se dire que plus la rémunération est élevée, plus la réduction est faible, ça veut dire que cette réduction favorise clairement les bas salaires, malheureusement, hein. Alors c'est ça, c'est qu'il faut pas tomber non plus dans un cas extrême en se disant attention, à partir de ce moment-là, je dépasse le seuil et donc je reste à des salaires assez faibles. C'est pas du tout la logique de cette slide. Cette slide, c'est bien de sensibiliser. Si jamais vous avez un prévisionnel et que vous embauchez quelqu'un à des rémunérations faibles, vous avez le droit enfin l'ancienne réduction Fillon et donc à des taux de charge très faibles. C'est Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est président de SAS ou gérant minoritaire, qu'on a une fiche de paye en tant que mandataire social, c'est sur ce type de charge-là qu'on va y aller parce qu'il n'y a pas de réduction Fillon du tout sur les rémunérations des mandataires. Donc là, vous êtes plutôt sur un taux de charge patronale de 41%. Donc voilà, donc je suis mandataire social, j'ai une fiche de paye à 1000 euros, et bien en fait, je suis à un taux à 41% et pas un taux à 3,45. Exactement, exactement. Merci Johanna. Alors, le financement du recrutement et le développement d'entreprise. Julie? C'est à moi, merci Johanna. Donc effectivement, en fait, la première étape quand on veut recruter, ça va être de demander une simulation de paye. Johanna vient de nous en exposer deux et on voit à quel point c'est important. La deuxième étape, ça va être de vérifier que l'entreprise est en mesure d'assumer cette nouvelle charge. Pour ce faire, on va réaliser un prévisionnel de développement d'activité. Ce prévisionnel de développement d'activité, globalement, il sert à quoi? Il sert à vérifier que c'est le bon moment pour embaucher, que l'entreprise reste rentable. Et au préalable, je vous mets en garde, il faudra bien mesurer les investissements nécessaires à réaliser ce nouveau projet. On va en parler tout de suite. Donc déjà, globalement, qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel? Un prévisionnel, la première étape, ça va être de dire pourquoi on réalise le prévisionnel. Donc, globalement, quel est mon projet? Quel est mon projet de création? Quel est mon projet de développement? Ensuite, il faut être très vigilant à bien identifier les besoins nécessaires à la réalisation de ce projet. Je vais embaucher quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Dans quoi l'entreprise doit investir pour mener à bien mon embauche? Okay? Et le pendant de ça, effectivement, ça va être comment je vais faire pour les financer. Alors là, bien faire attention quand on embauche, effectivement, on va intégrer, il va y avoir des charges auxquelles on va tout de suite penser, par exemple un véhicule si on parle d'un commercial, un ordinateur, un bureau, du matériel, etc. À quoi on va peut-être moins penser, ça va être le temps, l'investissement temps nécessaire à ce nouveau salarié, à s'intégrer dans l'entreprise et à être tout à fait opérationnel. Donc ça, on va essayer de le mesurer également. Ensuite, on va s'intéresser au compte de résultat prévisionnel pour vérifier la rentabilité et enfin la trésorerie.
Donc, la particularité d'un prévisionnel de développement d'activité, c'est effectivement qu'on ne part pas d'une feuille blanche, puisque notre entreprise existe déjà. Donc, le point de départ, ça doit être le dernier exercice qui a été réalisé, d'accord? Le dernier exercice clos, au travers des états financiers, bilan, compte de résultat, ou bien d'une situation intermédiaire, si ce bilan est déjà trop ancien ou s'il y a eu beaucoup de changements entre la clôture du dernier bilan et la date d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, ensuite on passe au plan de financement, les investissements nécessaires et les financements à mettre en face. On va s'assurer que l'activité telle qu'on la projette dans le futur, avec ses nouvelles charges, va rester rentable. Une fois qu'on aura identifié ce bénéfice prévisionnel, il faudra bien vérifier au travers de la capacité d'autofinancement que l'entreprise est capable de rembourser les anciennes et les nouvelles dettes, les anciens et les vos emprunts bancaires, et Et enfin, notamment le PGE, quoi. et notamment le PGE, et enfin, la trésorerie. On va vérifier que le solde, donc c'est la trésorerie, c'est le solde finalement bancaire, hein, celui qui apparaît sur mon relevé de banque à la fin de chaque mois, reste positif. C'est aussi l'occasion, quand on fait ce travail-là, de regarder les tâches qui sont effectuées par des personnes qui coûtent cher et qui pourraient être effectuées par des personnes qui coûtent un peu moins cher. Ça peut Tout être à fait. aussi l'occasion de restructurer et d'optimiser les coûts. Exactement. C'est un projet global et Nathalie en parlera mieux que moi, mais il faut vraiment donner du sens à ce projet et à l'organisation future. Donc, quelques points de vigilance pour le développement de l'activité. Ça va être, comme je vous le disais, de bien intégrer les prêts existants, de ne pas oublier le renouvellement des investissements, parce qu'au-delà de l'embauche, il va quand même y avoir une continuité de l'activité. Et puis, vigilance aussi, puisque l'augmentation de l'activité va induire effectivement une augmentation des charges de personnel dans bien des cas, mais aussi une augmentation des autres charges. Le taux de marge, lui, en revanche, reste à l'identique, le taux de marge, pas la marge, hein. Et on va avoir toujours un focus sur la trésorerie. Est-ce que ma trésorerie reste positive? Si vous ne regardez qu'un seul indicateur, regardez la trésorerie et ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. Voilà, Est-ce que j'ai bien calibré le financement? Et sinon, si j'ai bien calibré le financement à hauteur des investissements, est-ce que c'est vraiment faisable, cette opération? oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'une trésorerie négative, le porteur, enfin l'entrepreneur va se retrouver en découvert autorisé. Le découvert autorisé, on est caution personnelle, généralement. Tout à Enfin, fait. généralement, on est caution personnelle. Donc, c'est des points qui sont très importants, surtout à l'heure actuelle. Alors, on a fait un petit exemple chiffré, alors très simplifié, hein. On a estimé donc une entreprise de conseil qui a déjà un salarié qui réalise 120 000 euros de chiffre d'affaires au terme de son dernier exercice, un bénéfice de 10 000 euros et qui projette de développer à nouveau son activité. Pour ce faire, elle veut savoir si elle peut embaucher un nouveau salarié, intégrer un nouveau salarié dans son entreprise. Par simplification, les deux salariés représentent le coût développé plus haut par Johanna de l'assistante administrative. Donc, première étape, comme je vous le disais, on va lister les investissements. Ici, on a estimé que notre nouveau salarié, pour être pleinement intégré à la société et être à 100% de son à 100% opérationnel, disons, il va falloir à peu près 3 mois. Donc ça, 3 mois de coûts, on les a intégrés directement dans le plan de financement. Du matériel, de bureaux informatiques, ce qui amène à 7 000 euros environ, entre 7 et 8 000 euros de nouveaux investissements à financer. En face, on a mis un emprunt bancaire de 8 000 euros pour financer ces investissements. Et vous voyez bien, comme je vous le disais, on est quand même sur une entreprise, pardon, existante qui a déjà des immobilisations, il y a déjà eu des investissements qui ont été réalisés par le passé et on verra, il y a aussi déjà des emprunts qui se remboursent. Voilà, alors après, juste une petite précision. Donc, en tant qu'expert comptable, voilà, on met en investissement formation de nouveaux salariés. C'est une approche économique et pas une approche comptable. Mais voilà, on a pris l'habitude depuis plusieurs années de le faire. Les banques aiment bien, les entrepreneurs aiment bien aussi. Ça permet vraiment de visualiser le besoin, tout ce dont on a besoin. Donc, la formation d'un nouveau salarié, ce sont des coûts cachés qui sont réels dans la pratique. Alors, en fonction des métiers, c'est plus ou moins long, mais je pense qu'il est très très important de le budgéter. Autre point, les investissements inscrits ici sont hors taxes. Donc, quand vous avez de très gros investissements, n'oubliez pas de demander un crédit relais TVA à votre banque, autant qu'on obtienne le remboursement de la TVA. Tout à fait.
Deuxième étape, on va vérifier la rentabilité de l'entreprise. Donc, en fait, on va se projeter sur un niveau d'activité, c'est-à-dire un chiffre d'affaires sur les années suivantes et une évolution des charges en fonction. Ici, on voit bien apparaître dans les salaires N-1, c'est tout simplement le dernier exercice clos. Donc, c'est la reprise qui nous permet bien de comparer l'existant avec les projections. Okay. Et ensuite, donc, on a les salaires bruts. On voit que ça double hein, par simplification. Comme je vous le disais, on est parti sur, sur des salaires d'assistante administrative. Et du coup, on vérifie que notre bénéfice, c'est-à-dire le résultat, est positif à la fin. Là, pouce jaune, tout va bien. L'activité est rentable. Mon salarié, mon nouveau salarié, je peux l'embaucher. Mais pas que, hein, Julie. Pour l'instant, je peux. On va voir si c'est toujours possible à la slide suivante. Alors, la slide suivante, c'est, comme je vous le disais, en fait, c'est un bénéfice. Et ensuite, il y a cette fameuse capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est une vision davantage cash. OK? On va vérifier le bénéfice comptable. Marie, tu me corriges si j'ai une erreur. Le bénéfice comptable est calculé avant remboursement des emprunts. D'accord? Les emprunts en capital, les prêts bancaires, par exemple. Donc ici, on va calculer la CAF et on va vérifier que nos anciens et nos nouveaux prêts peuvent être remboursés. Si la CAF est inférieure au remboursement des emprunts, attention. Et là, on voit effectivement qu'on est un peu juste en première année. Donc là, on va quand même se poser des questions parce que là, on a zéro marge de manœuvre. Et en général, Marie, toi en tête, tu dis 2 x 2 pour la CAF hein, pour avoir vraiment cette marge de manœuvre. La banque, elle aime bien x2 pour la CAF. Alors après, pour des systèmes de start-up, on peut avoir un autofinancement net négatif. Et donc là, on va se baser sur la trésorerie. Mais il faut savoir que quand l'autofinancement net est négatif, ça veut dire que vous ne faites pas assez de résultats pour payer les emprunts. Et bien en fait, sur le long terme, vous allez avoir des difficultés de trésorerie. En fait, on anticipe les difficultés de trésorerie grâce à ce ratio. Voilà. Donc c'est très important. Les startups, c'est un modèle un peu différent où on va retrouver ces ratios-là les 2-3 premières années, mais en fait, on va s'attacher fortement à la trésorerie, au suivi de la trésorerie. Mais là, tout à fait. Donc là, typiquement, un banquier, il va pas être content. Il va pas être content sur la première année. Il va se dire là, l'entrepreneur ne me paye pas, donc je n'y vais pas, je ne finance pas. Tout à fait. Et comme tu le disais, en fait, quand on est sur un autofinancement net négatif, on consomme de la trésorerie. Donc, en fait, ça veut dire que si on n'en a pas, on va avoir un découvert bancaire pour rembourser son prêt. Enfin, là, ça commence à devenir dangereux. Ça fait. La dernière slide, c'est la trésorerie. Très important. Donc, on va vérifier que notre trésorerie reste positive. Là, ici, j'ai fait exprès, évidemment, hein. La trésorerie reste positive, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'en juillet 2020, on a mis un emprunt de 8 000 euros. Si vous faites la soustraction rapide entre le solde de trésorerie et l'emprunt qui a été mis en place, on se rend bien compte que sans emprunt, si on ne calibre pas bien son financement bancaire, on ne peut pas faire face aux prêts. On ne peut pas faire face à cette nouvelle charge, pardon, à ce développement d'activité. Ou alors sinon, on se retrouve en découvert bancaire qui sont généralement… Ah oui. Où on est caution personnelle dessus, alors qu'un PGE, on va avoir un prêt qui sera garanti par l'État. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Julie, pour ces informations. Alors, Nathalie, quelques trucs et astuces pour faciliter l'intégration des salariés. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous et… merci Julie d'avoir intégré cette ligne au budget du temps pris pour l'intégration et la formation. C'est essentiel parce que avant tout, quand on choisit d'embaucher quelqu'un, c'est parce qu'on en a besoin et certainement parce qu'on a envie de développer son activité. Et donc, c'est pas uniquement perçu comme une charge. C'est pour ça que, bien entendu, et je sais que Terre d'Entrepreneur est dans cet état d'esprit, c'est une nouvelle richesse humaine que nous accueillons. Et par conséquent, il y a quelques trucs astuces,
notamment du bon sens, beaucoup de bon sens, mais quand même, ça vaut le coup de l'écrire. La première étape, ça va être, donc il y a plutôt quatre grandes étapes, j'ai simplifié pour que ce soit fluide. Il y a la première étape qui est de clarifier. En tant qu'entrepreneur, je vous propose sur la slide suivante, s'il te plaît Marie, de regarder un petit peu quel est le projet humain de mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et de quelle est la vision? Donc ça, c'est un travail que les uns et les autres font, mais je constate régulièrement quand même que ça vaut le coup de se poser et d'accorder un temps pour ça. Quel est mon style de leadership? C'est quoi la façon dont j'ai envie de communiquer et que j'ai envie de développer? Le management, la collaboration, la coopération, tout ça sont des questions à se poser et à écrire, évidemment. Et pas faire l'inverse, regarder qui je suis et comment je fais, plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de donner comme image aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, de clarifier son projet humain. Bref, il faut être clair avec soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour continuer son activité. Et on peut pas plaire à tout le monde non plus. Enfin, on peut pas recruter tout le monde, même s'il y a des super profils, ça fitera pas forcément. Donc, il faut vraiment avoir des personnes qui adhèrent à notre façon de travailler, à notre façon de faire. Et puis après, être clair avec le projet humain, ça peut aussi. Enfin voilà, après moi je parle en termes financiers, hein, mais ça peut aussi éviter des ruptures de période d'essai, ça a quand même un coût de recrutement. Enfin c'est des faux coûts, c'est des coûts cachés encore qu'il faut anticiper. Donc être clair au démarrage, ça peut éviter aussi ces désagréments. Exactement. Et puis ça commence bien avant l'intégration d'une richesse humaine, bah comme je l'ai noté précédemment, mais le jour J, ça commence bien avant en fait. J'ai vu quelques équipes où les gens découvraient au moment où la personne arrivait ou la semaine d'avant, qu'il allait avoir un nouveau collaborateur, qu'il fallait préparer un petit peu rapidement son poste, voir est-ce qu'on avait pensé à demander à l'informaticien de mettre une nouvelle adresse email en place, enfin des choses qui semblent peut-être un peu basiques, mais qui sont primordiales parce que avant d'intégrer, il faut accueillir. Quand les gens viennent chez vous prendre l'apéro, bah vous les attendez, vous avez préparé les cacahuètes, la boisson, vous avez tout préparé, vous êtes content de les recevoir. Et ben là, c'est pareil. Et donc, on peut même imaginer un kit, même quand on est une TPE ou une PME, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être une multinationale pour avoir quelque chose d'abouti et complexe. Des choses simples, avec un petit mot, un post-it sur le bureau, avec quelque chose, un geste qui montre qu'on est content de recevoir cette personne qu'on a longuement cherchée et on a enfin trouvé. Donc voilà, le temps d'accueil aussi. Accueillir, c'est le jour J également, de façon individuelle et personnalisée, accueillir la personne. Et tout ça, on peut le faire si on est au clair avec soi-même, hein. Vous vous rappelez le point précédent, hein. Et tout ça aussi, c'est l'occasion de parler de sécurité, de pays, de règlement intérieur, mais pas de façon obligatoirement formelle, mais quand on fait le tour un peu, quand on échange avec les uns et les autres. Et donc, régulièrement redonner du sens à tout ce que l'on fait, ça fait partie de la base du management ou bien de la pédagogie, je dirais également. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Bref, c'est une faute de recevoir une nouvelle richesse. Ensuite, il y a proprement dit le parcours d'intégration. Et donc, le parcours d'intégration, c'est une sécurité pour tout le monde, en fait. C'est quelque chose d'important. Il y a un coût, évidemment. On a fait notre prévisionnel. On a intégré cette dimension financière dans le recrutement et l'intégration et la formation. J'ai vu qu'il y avait une petite ligne, enfin un participant qui mettait que c'était difficile de budgéter la formation interne. Bah, c'est difficile quand on l'a pas prévu. Si on l'a anticipé et prévu, on connaît le coût d'une formation parce que on a des cabinets avec qui on travaille depuis longtemps, ou bien on a fait le tour un peu et on sait quels sont les coûts de la formation et de l'intégration. Et du coup, si on l'a intégré et prévu, on est plutôt au clair aussi avec ça. L'intégration, c'est également des vies ma vie. On peut pas être à 100% tout de suite. Donc, tu as noté 3 mois, Julie, dans ton prévisionnel. Et ça dépend des milieux, ça dépend des secteurs d'activité, mais en tous les cas, c'est important de se poser la question. Et proposer des vies ma vie,
c'est aussi permettre aux uns et aux autres de passer du temps, mais réel, pas juste je visite, ah oui, tiens, c'est la compta, ah oui, bonjour, c'est le service commercial. Enfin, vous voyez, ça c'est pas suffisant. Vraiment passer du temps pour comprendre les écosystèmes des différents services et leurs particularités. Et c'est encore ce moment-là où on facilite la communication, la transversalité, où les uns apprennent, les uns et les autres apprennent de quoi ils ont besoin pour communiquer, parce que au sein d'une entreprise, il y a tout le système de communication transverse qui va être important et qui va contribuer aussi à l'intégration de ce nouvel employé. Il y a aussi à prévoir le temps formel avec des rencontres régulières pour savoir comment se passe l'intégration et des temps informels. Et n'hésitez pas, franchement, à utiliser ce bon vieux rapport d'étonnement qui existe depuis bien longtemps, mais qui est sous-employé, sous-utilisé et quelquefois, souvent, un peu sanctionné. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre un rapport d'étonnement en place, acceptez tout ce que la nouvelle personne va vous dire, même si des fois ça pique un peu. Donc, c'est ça. Bref, soyez confiants et innovant dans votre façon d'accueillir. Mais tu vois, Nathalie, ça me fait aussi penser qu'on peut faire ça entre associés. Ah, ben oui. Le vie, ma vie, je pense que ça peut être intéressant avant de faire un pacte d'associés, même parfois. C'est ça. Ben écoute, j'y participe régulièrement pour ceux qui veulent passer le pas, tout à fait. Et puis, la quatrième étape, ça va être pourquoi c'est important, tout ce qu'on a dit précédemment. Ben, c'est important parce qu'on va pouvoir développer, on va pouvoir fidéliser. Et donc, dès l'entrée, dès l'intégration, parler et échanger avec le collaborateur sur une projection, à 1 an, à 3 ans, pour voir un peu comment cette personne a envie de se développer, c'est quoi ses facteurs de motivation, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui la nourrit dans son quotidien. Comme ça, vous pourrez avoir aussi un management adapté à la personnalité et motivationnel. C'est quelque chose qui est très important. Donc, développer le projet d'évolution de carrière, vous allez me dire, bah oui, mais dans une TPE où on n'est que 9, c'est quand même important. Donc, du coup, ça permet à la personne aussi de voir qu'il y a de l'évolution possible intellectuellement et pas forcément dans tout de suite dans un poste nouveau, mais comment je vais me nourrir avec des side projects, avec de la compétence, des certifications, de la formation qui vont me permettre de grandir. Ça peut être également de la formation communication, relationnelle, émotionnelle, hein, évidemment. Bref, faites grandir vos collaborateurs et puis du coup, tout le monde sera pour le mieux avec un projet clair, intégré. Tu nous as mis beaucoup de chiffres, merci. Oui. Alors, j'ai mis quelques petites références. Vous allez retrouver ça assez facilement sur lanac.fr, intégration des salariés. Il y a des fiches outils qui sont très bien faites. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et puis, tout simplement, souvenez-vous que un salarié heureux et l'entreprise va mieux. C'est mignon, ça. Il est 2 fois moins malade. Il est 6 fois moins absent. Il est plus créatif à 55%, plus productif et plus loyaux. C'est une source MIT Harvard que vous retrouvez également. Voilà, merci beaucoup de votre attention à tous. Merci Nathalie, merci beaucoup. Alors, on attaque un autre angle avec Johanna sur les aides au recrutement en 2020. Alors, je voulais juste dire, avant de commencer les aides au recrutement, je voulais juste dire un grand merci à Nathalie pour cet aspect humain et qui est très important du point de vue relationnel, parce que nous, dans notre esprit comptable, hein, Marie, on oublie souvent, c'est notre métier, hein, donc forcément, on parle chiffres, et puis on oublie souvent cet aspect relationnel et humain qui est très important pour le développement de l'entreprise. Et il ne faut pas oublier que les employeurs dépensent beaucoup d'énergie pour les recrutements, pour les embauches, pour passer des entretiens pour trouver le bon profil. Et puis, moi, je suis souvent celle qu'on appelle quand il y a des soucis. Et je ressens la détresse, parfois, on peut dire, parce que c'est compliqué d'avoir des soucis avec le salarié, de trouver des solutions, de se séparer d'un salarié, et puis de se projeter dans une nouvelle embauche et de repasser tout le recrutement. Donc, c'est quelque chose de très important, c'est voir, c'est
aussi important que les chiffres, forcément, parce que je trouve que c'est usant pour les employeurs. Donc voilà, on passe aux aides. Les aides au recrutement en 2020, on n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais on a choisi pour vous de vous présenter quelques aides auxquelles vous pourrez peut-être faire appel pour vos futures embauches. Dans la conjoncture actuelle, je pense que c'est d'autant plus important. Donc, on commence par le contrat d'apprentissage. Il est déjà très bien connu, y compris ses exonérations de charges. Donc, on sait déjà que sur un bulletin de paye d'apprenti, on paye très peu de charges. Jusqu'à 79% du SMIC, l'apprenti ne paye pas du tout de charges salariales déjà. Donc, c'est vraiment un contrat très intéressant, le plus intéressant, on pourrait dire, aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'aide qui existait avant, l'aide unique à l'apprentissage, a été améliorée dans la conjoncture actuelle. Et on va jusqu'à 5 000 euros pour la première année pour un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Alors, attention, parce qu'on parle juste des apprentis qui préparent un diplôme allant du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Donc, au-delà de la licence pro, il n'y a plus d'aide, malheureusement. Donc, voilà, mais au moins jusqu'à la licence pro, on peut bénéficier de ce type d'aide, ce qui peut nous amener à ce qu'un contrat d'apprentissage ne nous coûte rien du tout pour la première année. C'est vraiment très, très important. Alors, juste, donc, ça veut dire que Julie, si un client prend un apprenti niveau licence, on met zéro dans le prévisionnel, quasiment. Tout à fait. Bon, il faut passer par le service social avant pour se renseigner sur l'âge de l'apprenti, le diplôme qu'il prépare, etc., et la convention collective, parce que la convention collective, elle peut donner un taux supérieur de rémunération que ce qu'on trouve sur Internet que la loi met, d'accord? Donc, il faut toujours demander conseil. Ah bon. Oui, tout à fait. Alors, les emplois francs. On passe aux emplois francs, c'est assez connu aussi. Donc, en fait, toutes les entreprises sont concernées par l'aide emploi franc. Donc, en termes de conditions pour l'employeur, il faut savoir qu'il faut être à jour de ses cotisations sociales. Il faut pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois, dans les 6 derniers mois pour le poste à pourvoir. Et il faut pas bénéficier d'une autre aide pour le même salarié. Du côté du salarié, le salarié doit être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Et puis surtout, il doit résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, on a rajouté pour vous, on l'a dans le slide aussi, mais je vais le mettre dans le chat, comme ça vous pouvez faire un petit copier-coller, le lien sur lequel vous pouvez vérifier l'éligibilité de votre salarié. Attention à bien renseigner l'adresse, y compris le numéro de la rue, parce que sur une même rue, on peut avoir des numéros qui fassent partie des quartiers prioritaires et d'autres qui ne le fassent pas. Donc, faites attention à ça, mettez bien la bonne adresse. Alors, le montant de l'aide, il est assez conséquent. On est sur 5 000 euros par an, donc ça peut aller jusqu'à 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI. Et très attention au fait que la demande d'aide, elle est à faire dans les 2 mois après l'embauche. Donc, attention, il n'y a pas, le Pôle emploi est intransigeant là-dessus. On dépasse les 2 mois, l'aide n'est plus accordée du tout. On perd 15 000 euros, quoi. On perd 15 000 euros pour une journée de plus éventuellement. Donc, voilà, c'est vraiment très, très important. Alors, on passe sur des aides qui sont un petit peu moins connues, enfin, parfois pas du tout. Le dispositif Ardent. Le dispositif Ardent, donc l'action régionale pour le développement d'activités nouvelles. C'est un dispositif régional d'aide à l'embauche. Alors, là, les conditions du côté de l'employeur, c'est d'avoir un projet de développement et puis minimum un bilan. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer, ce n'est pas pour les nouvelles sociétés créées en cours d'année, d'accord? Il faut avoir minimum ce bilan. Alors, l'avantage, c'est que le collaborateur, il bénéficie du statut de stagiaire de la formation et de ce fait, il continue à être indemnisé par Pôle emploi au titre de ses indemnités de son allocation de chômage, d'accord? Et ce, pendant les 6 premiers mois de formation. Donc, en fait, votre salarié, il est pendant 6 mois en formation, vous avez le devoir de le former. Donc, forcément, il y a des devoirs de votre côté en tant qu'employeur aussi, mais vous n'avez quand même aucun salarié à lui verser pendant 6 mois. Ce qui est très important au niveau trésorerie. Je pense que là, Julie, je la vois faire oui, donc tout à fait, c'est hyper important.
Alors, pas d'obligation d'embauche après 6 mois, donc c'est encore plus favorable, on va dire, mais la plupart, on voit, on a mis dans le slide, plus de 80% des stagiaires ardents aboutissent vers une embauche en CDI ou CDD, forcément, puisque on met du sien, l'employeur, il forme le salarié pendant 6 mois, et puis généralement, voilà, ça a du succès, quoi. Nous avons rajouté dans le slide aussi les coordonnées directes des personnes qui peuvent vous apporter plus d'explications sur le fonctionnement de l'Ardent. Donc, n'hésitez pas à les contacter parce qu'après, il y a des gros dossiers à préparer hein, quand même. Donc, là. Alors, pour les avoir rencontrées, elles sont super. Elles sont Exactement. vraiment à l'écoute et en fait, vous leur présentez les profils, elles vous orientent vraiment, elles sont vraiment top. Et donc, Exact. du coup, c'est uniquement pour la région des Hauts-de-France, hein, c'est bien ça? Alors, ce n'est pas uniquement pour la région des Hauts-de-France, d'accord? Ça existe. Le dispositif, il est régional. Donc, chaque région D'accord. gère un dispositif ardent. OK. Mais on l'a dans le PACA, on l'a dans le plan de région. Je ne sais pas exactement dire si sur toutes, mais il y a des fortes chances quand même, d'accord? OK. Mais forcément, là, ça tient. On est dans les Hauts-de-France, donc. Oui, tout à fait. C'est pour répondre à une question du chat. Ah, bah super, super, tant mieux. Alors, l'action de formation préalable au recrutement, l'AFPR, ça ressemble un petit peu au principe d'Ardent, mais on ne doit pas forcément avoir un gros projet de développement, d'accord? C'est un dispositif qui est mis en place par Pôle emploi. Il est aussi très intéressant parce que le stagiaire, il est en formation en entreprise pendant 400 heures. Donc, 400 heures, ça équivaut à presque 3 mois, d'accord? On a 2 semaines et 2 mois et 2 semaines, presque 3, on va dire, pendant lesquelles on forme le salarié, mais en même temps, il continue à être indemnisé par le Pôle emploi, d'accord? Donc, il n'y a pas de bulletin de salaire, il n'y a pas de salaire à verser. En revanche, dans le cadre de l'AFPR, l'employeur s'engage à embaucher son stagiaire pour un minimum un CDD de 6 mois à la fin du stage. Et en plus de ça, il perçoit aussi une aide au financement de la formation qui peut aller jusqu'à 2 000 euros. Donc, c'est vraiment un dispositif très intéressant. Et enfin, le contrat unique d'insertion. Le contrat unique d'insertion, c'est un contrat spécifique. Alors, pour savoir si le salarié est éligible à ce type de contrat, il faut se rapprocher de Pôle emploi. C'est eux qui décident en fonction de la situation personnelle. Professionnels de chaque candidat, c'est eux qui décident si ce type de contrat peut être mis en place avec l'entreprise, d'accord? Vous bénéficiez en tant qu'employeur d'une aide financière qui est versée par l'ASP, par l'Agence de services de paiement. Alors, dans certains cas, attention, vous pouvez aussi bénéficier d'exonération de charges, pas sur les bulletins de salaire, mais sur tout ce qui tient de la taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et éventuellement l'effort de construction si vous êtes dans ce seuil-là. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va passer au passage des seuils. Donc, le passage des seuils, c'est un petit peu plus technique, plus Alors, complexe. passage détail, voilà, c'est si on commence à avoir pas mal de salariés, on continue à avancer, on continue à embaucher, mais les obligations changent pour les entrepreneurs. Tout à fait. Alors, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les aides, on n'a pas pour but d'être exhaustif dans les règles de passage de seuil et de franchissement de seuil, mais on veut vous alerter un petit peu sur les nouvelles obligations qu'il peut y avoir à partir du moment où on embauche parce qu'on est employeur. On n'y pense pas forcément à ce que ça engendre, par exemple, de dépasser, je vais parler d'abord du premier seuil, donc de dépasser le seuil de 11 salariés, d'accord? Et c'est surtout pour ça aussi qu'on a pensé ce webinaire, c'est pour vous sensibiliser à ces règles qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Alors, les effets du franchissement de seuil se déclenchent en fonction de l'effectif moyen sur une année civile. Au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus. Donc ça, c'est la règle de l'URSSAF. Quand on calcule l'effectif moyen, on a des salariés qui rentrent dans ce calcul et d'autres qui sont exclus. À savoir, donc d'abord, tous les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail, on en tient compte dans le calcul de l'effectif moyen, d'accord?
y compris ceux dont le contrat est suspendu. Ça veut dire qu'on a eu salarié en congé maternité pendant 4 mois et elle rentre dans ce calcul. Attention, si on la remplace, parce que pendant 4 mois, on a peut-être besoin d'un remplaçant quand même, le remplaçant est exclu en revanche du calcul de l'effectif moyen. D'accord? Alors, les salariés à temps partiel ont fait un calcul au prorata de leur temps de travail, ou les salariés qui entrent ou sortent en cours d'année, pareil, on va calculer au prorata de leur temps de présence dans l'année. En revanche, on exclut de l'effectif moyen de l'entreprise, comme on a vu tout à l'heure, les remplaçants dont le contrat des salariés dont le contrat est suspendu. Alors, les contrats d'apprentissage et professionnalisation, donc encore un avantage pour les contrats d'apprentissage et professionnalisation. Pareil, les contrats uniques d'insertion. Donc, pendant la durée du CUI, le salarié, il est, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le CUI peut aller jusqu'à 24 mois et en fait, on peut avoir un CDI. Donc, le CDI, il peut se prolonger, mais pendant la durée du CUI dans ce CDI, on peut bénéficier du fait que ce salarié ne rentre pas dans l'effectif moyen. D'accord? Les stagiaires, les dirigeants également. Alors, la neutralisation des franchissements de salaire. Alors, là, on va parler de la loi Pacte qui est applicable à partir du 1er janvier 2020. Donc, on est clairement dans le sujet. Cette loi Pacte, elle a changé beaucoup de règles au niveau du franchissement de seuil. Et puis, elle tend à regrouper les obligations autour de 3 seuils principaux. Donc, on a le seuil de 11, de 50 et de 250. À partir du 1er janvier, le seuil de 20 salariés disparaît en grande partie au profit de celui de 50. Attention, on viendra préciser dans le slide suivant les exceptions à cette règle, parce qu'on a toujours des exceptions hein, dans la loi. Alors, la loi Pacte, la nouveauté de la loi Pacte et ce qui est très intéressant, c'est ce système de gel de 5 ans. Ça veut dire que l'obligation sociale sera à mettre en œuvre uniquement si le seuil d'effectif il est atteint pendant 5 ans consécutifs. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors voilà, ce qu'on évoquait aussi quand on en avait parlé, c'est que ça peut évoluer, c'est-à-dire que ce sont une réglementation qui évolue très très régulièrement, donc il faut se tenir à jour quasiment tous les ans s'il n'y a pas des nouvelles choses qui sont des nouvelles règles qui sont sorties sur ce sujet. Hein. Est-ce qu'on sait? Ah, exactement. Alors, pourquoi je dis un gel de 5 ans? C'est parce que, par exemple, si on atteint le seuil pendant 4 ans et puis on baisse en nombre de salariés en dessous du seuil, ça peut repartir à zéro. Mais à savoir que ces règles changent régulièrement. D'accord? Donc là, on est sur la loi Pacte qui a changé le 1er janvier, mais on ne sait pas ce qui va se passer en 2020-2023. Alors, les exceptions dont je parlais tout à l'heure, le seuil de 20 salariés reste valable pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et pour la loi TEPA des heures supplémentaires, la défiscalisation des heures supplémentaires. La rédaction du règlement intérieur et l'organisation des élections du CSE, ce que Dominique va nous expliquer tout à l'heure, sont à mettre en place dès lorsque le seuil il est atteint pendant 12 mois consécutifs. Et puis, il faut aussi faire attention au fait qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de dispositifs de lissage qui sont en cours. Par exemple, si on a franchi le seuil en 2018, l'entreprise bénéficie déjà d'un dispositif de lissage, de franchissement de seuil. Donc, ces entreprises continuent à appliquer les anciens dispositifs d'atténuation des effets de seuil. Alors. Alors après, on va passer à... Oui, voilà, ça Voilà, apparaît. donc c'est un tableau qui a été préparé. Alors, comment on lit ce tableau, Johanna? Parce que c'est, je pense que c'est Alors, important de... j'ai essayé de le faire un petit peu plus visible parce que c'est pas évident. Là, c'est vraiment un côté très technique de la gestion de la paye. Donc, on a sur le côté droit la loi Pacte avec les différents seuils, d'accord, les 11 salariés, les 20 salariés, les 50. Et puis, la première colonne, on parle de modification des cotisations sociales en fonction de l'effectif. Ça veut dire qu'il y a des cotisations pour les contrats d'apprentissage, mais ces cotisations, elles changent si on est en dessous ou au-dessus de 11 salariés. D'accord? On a la déduction forfaitaire TEPA, la formation professionnelle, réduction Fillon. Le calcul, il change également
Le FNAL, il passe de 0,10 à 0,50 sur la base déplafonnée à partir de 50 salariés. Donc, ce sont des taux qui changent, d'accord, qui évoluent en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et puis, la colonne du milieu, j'ai noté l'apparition de nouvelles obligations. Ça veut dire que, par exemple, le versement transport, en dessous de 11 salariés, il n'y a pas de versement transport. Et à partir de 11 salariés, on le verse en fonction du taux de la commune. Par exemple, pour Lille, de mémoire, on était à 2%, voilà, si je ne me trompe pas. On a par exemple la mise en place du CSE qui est obligatoire, l'obligation de déclaration des travailleurs handicapés, le règlement intérieur dont on n'avait pas d'obligation avant 50 salariés, maintenant il est obligatoire, la participation de salariés. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces cotisations parce qu'encore une fois, elles sont très techniques, mais ça vous sensibilise à ces nouvelles obligations qui changent en fonction du seuil que vous dépassez. Oui, puis aussi au prévisionnel, puisque la modification des cotisations sociales, lorsque l'on va faire un prévisionnel, on va refaire une simulation de paye, on va réintégrer les nouveaux taux pour avoir un prévisionnel au plus juste. Tout à fait. Un autre effet du seuil sur les déclarations, c'est celui sur les déclarations sociales. Ça veut dire que le moment où on déclare et on paye les déclarations sociales via la DSN, donc en dessous de 11 salariés, on a la possibilité d'opter pour un paiement trimestriel, ce qu'on ne conseille pas forcément réellement, parce que c'est mieux, hein, Marie, tu me Oui, suis là-dessus. je suis tout à fait d'accord. Et l'URSSAF vaut mieux le payer au moins le mois. Exactement. Mais on a quand même cette possibilité. Il faut le faire par écrit avant le dernier jour de l'année ou au moment de la première embauche. On a la possibilité quand même d'opter pour ce paiement trimestriel. À partir de 11 salariés, ce choix n'est plus possible. On paye mensuellement les cotisations et on les déclare mensuellement au 15 du mois qui suit. Et puis à partir de 50 salariés, la déclaration et le paiement se font le 5 du mois suivant. Super, ben merci Johanna. On va passer au seuil et au comité social d'entreprise. Dominique? Alors, auparavant, je vois que on a une question d'Émilie sur l'AFPR qui nous disait si le salarié est à temps partiel, a-t-on droit toujours à 400 heures? Alors là, il va falloir se rapprocher de Pôle emploi. Il va falloir se rapprocher de Pôle emploi pour voir quelles sont les possibilités de mise en place de ce dispositif, parce qu'ils l'ont peut-être déjà prévu. Et puis, pareil, les conditions changent énormément en fonction du budget annuel. Voilà, Les ouais. aides, c'est très, 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 très variable. Tout à fait. Et Marielle nous demande quelles sont les conditions que doit remplir l'entreprise pour accepter un contrat d'apprentissage, un apprenti, c'est-à-dire le maître d'apprenti. Alors aujourd'hui, réellement, il n'y a pas d'obligation, d'accord, par rapport à ça. Vous pouvez mettre en place un contrat d'apprentissage. Il faut se rapprocher de l'école, faire un recrutement, d'accord, passer des entretiens, trouver son apprenti. Il faut se rapprocher de son OPCO parce qu'aujourd'hui, les enregistrements, attention, pour les contrats d'apprentissage, jusqu'en 2019, c'était la CCI qui enregistrait les contrats d'apprentissage à partir du 1er janvier, ce sont les OPCO. Donc, il n'y a pas de condition réellement d'éligibilité en tant qu'employeur pour les contrats d'apprentissage. D'accord? Faut que le titulaire, il est quand même. Ah, Marie, faut que le. Oui? On t'a pas entendu, Marie. C'est à vous. L'employeur doit avoir le titulaire de l'expérience du domaine. Ah oui, en L'apprenti. tant que titulaire. Oui, en tant que maître C'est quand d'apprentissage. même, le titulaire maître d'apprentissage doit avoir l'expérience dans le domaine pour pouvoir prendre un apprenti. Alors, Dominique, le comité social économique. Alors, comme on l'a dit, dès que on dépasse un certain seuil, on a des obligations et c'est le seuil de 11 qui va apparaître pour l'arrivée du comité social économique. Il faut savoir que le CSE, si on ne l'a pas, le slide d'avant, si on ne l'a pas, il faut quand même compter 105 jours pour le mettre en place. Et c'est un délai incompressible puisqu'il est donné par la loi. Donc j'invite les entreprises
qui ont plus de 11 et surtout celles qui ont plus de 50, qui ne l'ont pas mis en place et qui est obligatoire à partir du 1er janvier, de se pencher sur le problème parce que, on va voir tout à l'heure, ça peut devenir inquiétant dans la situation actuelle. On va surtout s'attacher ici au seuil de 11 et de 50. Puisque le seuil de 300, ce n'est que l'apparition de du domaine santé, sécurité, conciliation de travail qui se transforme en commission, et à partir de 1000, c'est un certain nombre de commissions obligatoires dans le CSE. À 11 salariés, entre 11 et 49 salariés, c'est le premier seuil d'apparition du CSE. Nous n'avons pas de personnalité civile du comité du CSE, c'est-à-dire que ça n'est que une instance de représentation des salariés. Il y a quand même deux fonctions, qui est la fonction que l'on connaissait sous l'appellation des délégués du personnel, les ex-DP, avec la présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés. Alors, ça va de toutes les questions, hein, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur etc. Et puis, une deuxième fonction qui est très présente et qui est ce qu'on appelle le SST, Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Et là, le CSE va intervenir par exemple sur des enquêtes sur des accidents de travail présumés graves, sur le reclassement d'un salarié en inaptitude médicale, sur l'amélioration des conditions de travail, puisqu'ils ont un rôle de proposition d'amélioration. Voilà, donc de 11 à 49 salariés, on doit mettre en place un CSE. Par contre, ce CSE a deux missions. Que tu viens d'évoquer juste bon, à l'instant. Oui, tout à fait. Alors, la réunion est mensuelle, de 11 à 49, et le nombre d'élus est en fonction de l'effectif de la société. On le voit de 11 à 24, 1. Alors, quand on dit 1, c'est un titulaire et un suppléant. Aura-t-on les deux? Ça, c'est autre chose. Avec des ordres de délégation qui ne sont données co-titulaires, donc là par exemple on est dans le cas de 10 heures par mois. Si on est plus de 25, mais toujours en dessous de 50, on a deux titulaires, deux suppléants, donc deux fois 10 heures. Il faut savoir que les heures peuvent être annualisées, c'est-à-dire sur 10 heures multipliées par 12 mois égale 120 heures, qu'on peut les prendre jusqu'à 1,5 fois chaque mois, donc on peut prendre jusqu'à 15 heures dans le mois, forcément, on est en train de consommer notre crédit de 120 heures, et on peut le mutualiser, c'est-à-dire que je peux, moi titulaire, faire un écrit 8 jours avant à mon employeur pour dire « je donne X heures à mon suppléant, monsieur Intel ». Globalement, en fait, voilà, entre 11 et 24, on doit allouer des heures au CSE, et elles sont beaucoup plus importantes, ces heures, quand on passe les 25 salariés. Tout à fait, et bien sûr, le nombre d'heures, quand on a 10 heures de délégation, on n'est pas forcément obligé de les prendre. C'est un 10 heures, c'est un maximum. Oui. Donc voilà, et il y a une formation obligatoire pour le titulaire comme pour les suppléants à charge de l'employeur sur le domaine santé sécurité du travail. D'accord. Donc, on va aller à 50, à partir de 50 salariés. Le rôle du CSE ressemble beaucoup plus au CE qui existait précédemment. On retrouve toujours nos deux premières missions. Les réclamations des salariés et les questions, la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail, et on y ajoute l'expression collective en matière économique et financière. Ce sont toutes les infoconsultes nécessaires qui apparaissent ici et qu'il n'y a pas à moins de 50, et puis la gestion des activités sociales et culturelles qu'on appelle ASC et qu'on appelait dans le temps les œuvres sociales. Et voilà, donc, en fait, le CSE, à partir de 50 salariés, a beaucoup plus d'attributions, en fait. Alors, voilà, on passe de deux attributions à quatre attributions. Il passe avec un budget
Et là, il a un budget de fonctionnement et un budget d'activité sociale et culturelle, donc deux budgets distincts. Voilà, donc, et puis il prend la personnalité civile exactement comme une société, donc il a droit d'aller en justice, de passer les contrats, il a droit d'embaucher, il a droit de posséder, et il a même le droit d'accepter des dons et des legs. Donc voilà, exactement comme une société. Voilà. Les élus, ben, forcément, le nombre d'élus augmente, hein, puisque dès 50, on est à 4 titulaires et 4 suppléants. Et le nombre d'heures par titulaire augmente, puisqu'on passe à 18 heures et non plus à 10 heures. Et voilà. C'est progressif comme ça jusqu'à 1000 salariés. Dominique, s'agissant des élus, on a une question d'Émilie qui nous demande pour la composition des élus, s'agit-il forcément de salariés ou est-ce que ça peut être des actionnaires, des gérants, etc. Non, alors c'est forcément des salariés de l'entreprise. En CDI, même s'il y a plusieurs collèges, ce sont forcément des salariés. Le gérant, les actionnaires ne peuvent pas l'avoir puisqu'ils ont le statut d'employeur. Et là, c'est le statut de salarié qui fait qu'on y a droit. Donc, même un employeur qui serait salarié ne pourrait pas, puisqu'il serait jugé parti. Mais on ne peut pas non plus les choisir. Non, il ne faut pas les choisir, même si c'est tentant. De toute façon, l'idée n'est pas d'avoir des gens trop effacés qui ne disent rien, mais plutôt avoir un vrai sujet de discussion, d'échange, parce que un bon CE qui participe est un CE qui aide l'employeur. Hein. Alors forcément, quand on est dans le conflit, ça devient plus dur, mais ça peut être vraiment une instance intéressante. Un petit focus sur la formation. À partir de 50, la formation des élus, une formation économique est obligatoire. La loi dit maximum 5 jours. Elle est à charge du CSE, donc sur son budget de fonctionnement. 5 jours, nous, par exemple, moi, on la propose sur un jour pour les moins de 50, 3 jours pour les plus de 50. Voilà, et on n'a pas besoin forcément des 5 jours. Alors après, au niveau des organismes de formation, c'est soit des organismes indépendants, soit les centrales syndicales ont tous un organisme de formation. Voilà, c'est un peu au choix des élus et de l'employeur qui peut proposer la formation. Après, il y a les 3 grandes consultations obligatoires. Alors voilà, dès qu'on est à 50, nous avons des consultations obligatoires. Nous en avions au minima pour les sociétés de 50, 17 dans l'année à faire auparavant. Depuis le regroupement, nous n'en avons plus que 3, même si les 17 apparaissent toujours dans le code du travail, elles n'ont pas été effacées. Mais si vous faites les 3, vous serez tranquille, elles regroupent l'ensemble avec une consultation sur la stratégie, les orientations stratégiques de l'entreprise. Je vous laisserai regarder le détail. La situation économique et financière de l'entreprise, c'est une deuxième consultation. Et puis, une troisième sur la politique sociale. Alors, le CSE doit donner un avis. Cet avis ne lie pas l'employeur. Forcément, on va chercher à avoir un avis favorable. Mais ce n'est qu'un avis. Et puis, dans le cas où nous avons, au niveau de l'avis, vote favorable, deux votes défavorables, si on avait 4 titulaires au CSE, eh bien, à égalité des voix, l'avis est considéré comme défavorable, parce que pour avoir le favorable, il faut avoir au moins la majorité, et c'est donc 50%. Avec virgule quelque chose, il y a 2 plus 2, on n'est plus à 50%. Voilà. Et les autres consultes ponctuelles du CSE. Voilà, quand je dis faites les 3 grandes consultations et vous serez tranquille, oui,
Sauf qu'il peut arriver des cas où on a une obligation de consulter au niveau ponctuel. Et un cas qui nous touche actuellement, c'est le recours au chômage partiel avec notre histoire de Covid. Les entreprises de plus de 5 ans ont l'obligation pour bénéficier du chômage partiel de donner l'avis du CSE. Et là, on rencontre des difficultés pour les sociétés qui n'avaient pas mis en place leur CSE. Donc, vous voyez l'importance de le faire, parce que mettre en place son CSE, ce n'est pas forcément en avoir un. On peut très bien arriver à la fin des élections par un PV de carence parce qu'on n'a pas eu de candidat. Donc, mais au moins, on sera couvert. Aujourd'hui, si on ne l'a pas mis et qu'on a plus de 50, on a mis les gens, en, comme le gouvernement nous l'a dit, en chômage partiel. On a demandé l'avis. 48 heures après, nous avons eu l'avis favorable qui serait pris en compte. On nous dit, c'est sous condition de nous envoyer l'avis de votre CSE. Manque de change, pas de CSE mis en place. Manque de change, comme je vous l'ai dit au début, il faut 105 jours pour mettre en place des élections, c'est incompressible. Aujourd'hui, on n'aura pas d'avis à remettre. Et là, on peut se poser la question, nos périodes où on a mis les gens en chômage, va-t-on être remboursé les 85% versés aux salariés? Je vous donnerai la réponse, je ne l'ai pas. Il va falloir aller, dans ces cas-là, la solution est d'aller négocier avec l'inspection du travail, et puis en fonction des arguments et puis de l'interlocuteur, on peut espérer ou pas, mais la situation peut être difficile. Dans le cas de peut-être d'un retour possible, si vous n'avez pas de CSE et que vous êtes à plus de 11, surtout à plus de 50, mais déjà à plus de 11, je vous conseille de vous pencher sur le problème. Voilà. Alors, on a d'autres cas. Hein. Je pense à quelque chose assez fréquent, c'est la mise en place de la vidéosurveillance pour surveiller les salariés. Hein. Ce n'est pas la fonction, mais pour une histoire de sécurité lorsque l'établissement est fermé, etc. On doit avoir un avis du CSE, l'introduction de nouvelles technologies et puis tout ce qui est modification des temps de travail. Voilà. Super, merci Dominique pour ces informations et merci à tout le monde pour votre écoute pour ce webinaire. Le prochain webinaire sera consacré au contrat de travail. Alors, merci Dominique de la société RH en or, Nathalie de la société Movea, Julie de Améliore ta gestion et Johanna d'Optima Pay. On vous souhaite de très belles vacances et puis profitez des restos, profitez du déconfinement pour consommer, pour faire plaisir aussi à nos restaurateurs. À très bientôt et bonnes vacances à tous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.